On revient toujours sur les hauts lieux de sa jeunesse. Ce n'est pas moins utile que divertissant. Vous arrivez d'où, Père Joseph? D'Italie, des Allemagnes, de France, je n'ai cessé de prêcher, de fonder des congrégations. Mais vous, enfin, vous voici bien en cours, monsieur le secrétaire d'État. La porte du conseil m'était barrée par un lit. Et vous avez sauté dedans. Je risque de me damner. Il n'est pas interdit à un évêque de faire un petit tour en enfer, à la condition de mener ses administrés au ciel. Je suis là de passer par les alcôves. Il en va de votre intimité avec la reine-mère comme de vos visites à cette académie. Vous joignez l'utile au divertissant. Vous me jugez mal. Je ne suis pas votre juge. Je me contente d'apprécier votre action. Dois-je vous rappeler que conseiller de la reine-mère, je l'ai engagé à profiter de vos prières et de votre personne. Vraiment? Vraiment. Pour servir excellemment le roi et la chrétienté, continuez d'emprunter toutes les routes qui se présentent, même si elles peuvent paraître fangeuses au commun. Si tu aimes l'évêque, laisse-le jouer. Un jour, Léonora t'entendra et comme tu contrefais ma voix, j'aurai droit à des transports de jalousie. Des transports de jalousie? Pourquoi? Parce que Léonora continue de vous vouloir du bien et qu'elle n'est point partageuse. Pourquoi le maréchal d'Ancre, son époux? Concini, ce n'est pas la même chose. Tout prouve qu'elle n'y tient plus aujourd'hui, elle n'y tient plus du tout. Quoi qu'il en soit, nul n'a le droit de se montrer jaloux quand votre majesté a daigné jeter les yeux sur le plus humble de ses sujets. Et sur le plus zélé de ses ministres, mon évêque. Vous m'avez demandé, monsieur Barin, d'examiner les affaires d'Espagne. Il n'y a point d'affaires d'Espagne. Tous les Habsbourg qui règnent sur Madrid, les Pays-Bas ou l'Empire germanique sont nos amis. Je n'en disconviens pas. Qui oserait contre moi en disconvenir? Pour des gardes, les évêques, nous avons assez de turbulents comme ça dans le royaume, toujours occupés de se tailler des fiefs ou de prendre le pauvre argent de notre régente pour faire de l'imbroglio avec nos voisins. J'aime mieux voir l'ambassadeur d'Espagne siéger ici, au Conseil, ce qui lui arrive souvent, que de combattre sur deux fronts, à l'intérieur et hors nos frontières. Comme l'expose incomparablement, monsieur le maréchal, l'amitié des puissances catholiques nous est d'autant plus précieuse que l'empereur peut empêcher ses vassaux protestants d'encourager de leurs deniers les seigneurs qui, chez nous, tentent de faire revivre l'anarchie. Écrivez. Si les rebelles ne peuvent être ramenés à leur devoir par aucune considération, Sa Majesté, touchée des sentiments d'un vrai père, se voit contrainte, quoiqu'à regret, de châtier les perturbateurs de son état. Le texte me paraît un peu rude. Votre Majesté souhaiterait une modification? Je pense, moi, qu'il est temps pour vous, mon fils. Si j'ai appris que vous étiez embarrassé, vous avez des dettes. Ça n'est pas grave. C'est même charmant, à votre âge. Je suis heureux de les payer sur ma cassette personnelle. Vidry? Monsieur le capitaine des gardes, ne touchez pas à ce sac. On doit, mon fils, accepter ce qui est donné de bon cœur. Merci, mais je n'ai besoin de rien. En voilà assez, mon fils, ça suffit. Vous feriez mieux d'aller tirer les petits oiseaux. Allez, allez, monsieur. Les travaux du conseil ne sont pas de votre âge. Il est vrai que nous en avons terminé. Sache, se met en état de ranger à la raison ceux qui s'en sont éloignés. Luçon, vous entendez que Sa Majesté, de sa personne, fasse pièce révoltée? Pendant ce temps-là, il ne vous importunerait pas au Conseil. Perdez la raison, ce serait pire.
Nous emmenons le roi aux armées. Il désertera le camp, rejoindra quelques gentilshommes de sa préférence et marchera contre nous. Non, non, parlez tant que vous voudrez au nom du roi, c'est le jeu. Mais ne l'utilisez point de sa personne, celle-ci pourrait nous trahir. Sa Majesté est bien jeune. Il y a du vrai dans ce que dit Monsieur le Maréchal. Apprenez-vous le commis aux finances? Il n'y a jamais que du vrai dans tout ce que je dis. Il nous faut rendre grâce à votre haute prééminence. Une fois encore, elle vient de montrer l'étendue de sa sagesse. Nous agirons au nom du roi. Mais nous nous garderons bien de produire cet adolescent débile. Ne plaît pas à votre majesté? Moi qui espérais tant lui faire plaisir. Je l'appellerai ma grosse vitrie. Monsieur de Luynes, vous qui détenez le secret d'amuser le roi. L'amuser, je dirais plutôt le distraire. Mon cher sire, vous plairait-il que je commande les équipages pour une chasse cet après-midi? Chasse, oui. À tir ou à cour? À cour. Quand on galope, on oublie. Le roi dévore l'affront essuyé en plein conseil. Je m'emploie à le consoler. Ce serait plutôt le rôle de la jeune reine. Depuis 2 ans qu'ils sont mariés, s'est-il jamais intéressé à elle? Vos intentions? Les intentions, mais... les ennuyer notre maître et amener, si possible, la reine mère et le comte Chigny à lui témoigner plus de considération. Mais vous n'avez aucune prise sur la régente et ses ministres. Je ne demande qu'à mériter leur amitié. En détournant le roi de se rendre au conseil. Je m'y emploierai si vous pensez que c'est la bonne voie. C'est la plus mauvaise. On ne peut être à la fois l'ami du souverain et celui du comte Chigny. Je le voudrais. Ne confondons pas vouloir et pouvoir. Si vous conseillez à Louis XIII de se désintéresser des affaires, vous perdrez sa confiance. Si vous ne le faites pas, vous serez démis de votre charge de grand fauconnier par le maréchal. Et renvoyé dans votre province, sinon en Bastille. Alors que faire? Prendre un parti. Lequel? J'ai pris le mien. Peut-on savoir? Celui du roi. Peut-être un peu moins en arrière. Non, vraiment, vous croyez, mon évêque? Et monsieur de Luçon n'a pas tort. J'ai, madame, le bonheur de vous servir. Mais j'ai lieu de m'inquiéter de mon maître. Vous avez un maître maintenant? Mais oui, celui au nom de qui tout se fait et se signe, le roi. Le roi. Le maréchal donc est donc devenu fou. Le roi? Ah, c'est encore... Il pouvait s'agir de mon fils Gaston, lui promettant depuis des années. Mais Louis, pauvre Louis. Oh non, la foutue bête. Je ne dis pas que Sa Majesté se montre très précoce. Mais nous devons compter avec lui. Je vous en prie, c'est tellement sot. Pour un homme venu d'Italie? Tu pourrais au moins dire un gentilhomme. Un gentilhomme qui se travestissait en coquette avant de faire le croupier de taverne. Ça vaut mieux que d'être la fille d'un menuisier. Mon père était noble. Basta. Tout cela ne mérite pas d'être entendu. L'évocation de nos malheurs d'autrefois rehausserait, s'il en était besoin, notre reconnaissance pour les bienfaits de notre reine. Oh, je le sais. Si j'ai parlé du roi, c'est qu'il m'inquiète. C'est ce Luynes, le capitaine des oiseaux, qui doit le conseiller. Luynes? Ce petit-fils d'un moine n'a vraiment rien à espérer. Tout au plus, admirer le compagnon de jeu de mon pauvre fils. Je ne suis pas tranquille. Eh bien, mettez-le à la Bastille. Le roi en prendrait de l'ombrage. Oh, quelle importance. Le roi n'est rien. Il m'en voudra. Et il risque de trouver un favori moins bête et plus dangereux. C'est bien vu. Sans doute. J'avoue que je ne sais que vous dire. Il existerait peut-être un moyen. La reine pourrait se rendre assez solennellement chez son fils et lui annoncer qu'elle résilie sa régence. Comment vous n'y pensez pas? S'il accepte ce que je ne crois pas, nous trouverons bien le moyen de nous prémunir. Au besoin, nous ferons enregistrer par le Parlement un constat d'inaptitude à gouverner. S'il refuse,
L'autorité de Madame la Régente et la vôtre, Monsieur le Maréchal, s'en trouvera pour longtemps renforcée. La manœuvre est hardie. La hardiesse vous a toujours réussi, Monsieur le Maréchal. Ça, un roi, que va-t-il faire, hein? Que va-t-il faire maintenant qu'il a solennellement confirmé la régence à notre excellente reine-mère? Continuez de chasser au hobereau avec lui. Ah, lui, c'est même pas un hobereau, c'est une buse. Il y avait pourtant une belle carte à jouer. Oui, mais les temps d'à présent sont à la prudence. Oui, et à la saleté. Nous serons les derniers à nous laver, savez-vous? Oui, l'heureux temps où les favoris l'emportaient toujours. On ne pleurera jamais assez Henri III et Henri IV. Henri III, oui. Henri IV n'aurait jamais dû tolérer dans l'entourage de la reine ce couillon de Concini. Il est bien usé sur son déclin. Oui, c'est vrai. Mais dans son sillage, il y a l'évêque de Luçon. Hein? C'est pas grand-chose. Il fait pas grand-chose. Peut-être. Mais il roule de grands desseins. Il s'insinue partout. Il s'informe de tout. Vous allez me dire pourquoi il s'est rendu à la Bastille, voir la Descommand, cette barboteuse des rues qu'on tient enfermée depuis ses divagations à propos du meurtre d'Henri IV. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Cette fille dit vrai. Elle confirme ce que je pressentais. Ravaillac n'a point agi en isolé. Monsieur d'Épernon a connu son projet. Probable. Mais ce qui est assuré, c'est la connivence de Concini. C'était pas son intérêt. Si. Le feu roi menaçait de l'exiler en Italie. Sachant Ravaillac prêt à frapper, il a flatté l'orgueil de la reine. C'est lui l'aspirateur du sacre. Bien sûr. Assurant le pouvoir de la reine, il travaillait à préparer le sien. Et la reine? Quoi, la reine? Qui vous dit que le crime s'est perpétré à son insu? Était là. Vous, sire? Reste couché. Tu prendrais froid. Votre Majesté veut-elle jouer aux cartes? Sans eux, ma mère se conduira en mère. Elle me rendra un peu de mon affection. Je l'ai. Le couillon, cette drôlesse. Le bonhomme Barbet et Luçon. Oui, je sais. Une veuve recherche toujours un appui, mais est-il convenable de le trouver dans un ecclésiastique? On rit de ma mère et se rire me déchire. C'est vrai que le maréchal vous offense? Me prends-tu pour un particulier? Ce n'est pas moi qu'on offense, c'est le royaume. Et je suis comptable devant Dieu d'une France transformée en bordel par un évêque. Mon cher seigneur, apaisez-vous. Pour m'apaiser, il faudrait qu'ait disparu cette engeance. M'apaiser. Quand les hommes qui ont trempé dans le meurtre de mon père font la roue devant ma mère. Monsieur de Luçon n'était point à Paris, là. Oui, j'entends bien, mais il pactise avec les assassins. Et puis, cet homme Dieu Concini, son insolente présence aux côtés de maman.
Que Dieu nous délivre. Voilà. Il faudrait nous délivrer tout seul. Prends-en bien soin. C'est un présent du maréchal d'Ancre. Je ne retombe point dans le songe horrible de la nuit passée. Horrible, terrifiant. Absurde. Louis se dressait pour me condamner. Non, je le connais, mon garçon. Jamais, jamais je vous prends un témoin. Jamais il n'oserait entreprendre contre moi, n'est-ce pas? Mon évêque, jamais il n'oserait. Dans la mesure où votre majesté saura se séparer à temps de M. Concini. Quoi? C'est votre protecteur. Il n'est plus de protecteur quand on a le devoir de veiller au bonheur et à la sécurité de la plus haute des protectrices. M. Concini est vomi. On chuchote qu'il est coupable d'un meurtre puni de l'écartèlement. Si votre majesté continue de l'épauler, d'aucuns voudront voir comme motif de cette attitude des intelligences plus anciennes. Des intelligences? Ou à tout le moins des silences. Comment ça? Le maréchal a besoin d'être soutenu. Un homme que l'on soutient est un homme qui tombe. C'est trop aventuré. Pourquoi? Parce que son cabinet a deux issues. Lorsque M. de Vitry entrera par une porte, Concini sortira par l'autre. Alors? Alors il faut procéder dans la cour. Là, il sera facile de faire barrer toute possibilité de retraite sans qu'il s'en aperçoive. Vitry, votre avis? Le plan me paraît bon. Souffrez que j'insiste sur le secret. Quand bien même me faudrait-il mourir, qu'on ne tirait pas une parole de ma bouche. Mais s'il résiste, il faudra le tuer. Non! Non? Alors, sire, préparez-vous à fuir. Vous ne pouvez risquer de le faire arrêter et d'essuyer un échec. Sa mort seule vous sauvera. Vous, vos serviteurs et le royaume. Et s'il résiste? Le roi entend qu'on le tue. Sire, j'exécuterai votre commandement. Le maréchal d'Ancre sera dépêché demain dans la cour du Louvre par le capitaine des gardes. De soie en cette saison. J'ai bien droit de devancer l'été, hein? L'été. En Italie, il doit être arrivé. Cara Italia. Ah, j'oubliais. Le bouquet pour la reine-mère. Elle ne me le pardonnerait pas. Monsieur Déagent, nous jouons notre tête. Nous possédons par conséquent une chance de la conserver. Vous avez fait porter l'assurance de nous renseigner sur tout ce qui se passe au Conseil. Si le couillon était sur ses gardes, il nous aurait prévenus. Avec lui, sait-on jamais.
Prenez garde de faire fermer la poterne dès que le couillon sera cassé. On a bien fait savoir qu'on partait pour la chasse. Oui, sire. Mais comme le gibier n'arrive pas, il faut attendre. On va s'étonner. On verra plus étonné. Ferai justice moi-même. Que se passe-t-il? Le maréchal d'Ancre a été tué. Qui a fait le coup? Moi, par ordre du roi. J'ai régné pendant 7 années. Je n'attends plus maintenant qu'une couronne au ciel. Même il faut que le roi me soit devenu méchamment contraire. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Un enfant si calme. Poverina d'aimer. Elle ne peut même pas me recevoir pour que nous nous consolions ensemble. Ils ont tué mon Conchino. Levez-vous, madame. Me lever? Mais vous ne voyez pas que je suis à l'agonie? Vous ne voudriez pas que nous y mettions plus que de l'invitation. Vous n'oseriez. Allez. Vous n'aurez jamais porté une ancre aussi légère. Pas étonnant que le navire ait chaviré. Tiens. Des choses sérieuses maintenant. Des trésors. Quel trésor? Ceci ressemble fort à des bijoux de la couronne. Que me voulez-vous? On a tué mon mari! N'est-ce pas assez pour me contenter? Qu'on me permette de me retirer hors du royaume? Ah! Que nous vaut ce braillement? Des prédictions.
et concernant le roi et sa famille. Monsieur Delvine avait raison. Madame est une sorcière. Allez. Où m'appelez-vous? À la Bastille. Ils ont déterré le cadavre? Et ils l'ont fait rôtir. Et ils l'ont mangé. Oh, les monstres! Mangez mon conte. Ne vous montrez pas! Alors, vous êtes bien rentré ici sans encombre. J'ai béni la foule, lui enjoignant de crier « Vive le roi !» Vive le roi, vive le roi! Mais le roi sans tête, il refuse de me recevoir. Je suis allé vers lui. Et? Du sang. Me voilà hors de votre tyrannie. Vraiment le beau résultat. Moins mauvais qu'il n'y paraît. Lui ne s'est interposé. Pourquoi donc le faux cogné du roi ne... Il sait que le roi vous aime et se gardera bien de lui déplaire en proposant contre vous ou contre l'aumônier de votre majesté des mesures de rigueur. Alors il ne m'enfermera point dans une tour. Allons. Et il me laissera partager son pouvoir. Ce serait prématuré. Mais alors, pourquoi empêche-t-on mon fils de me voir? On ne l'en empêche pas, on ne lui en donne pas le désir. Et cela pour que l'agent et lui ne trouvent le temps de se mettre d'accord avec vous sur des propositions précises. Quelles propositions? Faudra-t-il tout abandonner? Ses mains-là sont trop belles pour se dessaisir du sceptre. Et ses yeux sont trop profonds pour méconnaître l'avenir. Quel avenir? Je ne vois rien. Ou plutôt, je ne vois pas vous. Mais il faut savoir s'en aller. Retourner à Florence? Jamais. Il faut obtenir un fief. Une province de France. Et Dagen et Luynes se prêteront à l'affaire? Laissons-la Dagen, c'est Luynes. Oh, ce triste putassier qui s'esbinera à la première arquebusade. C'est avec lui que le roi aime à chasser et à faire des confitures, pas avec Dagen. Qu'importe le conseiller, c'est le favori qui compte, surtout auprès d'un fils tel que le vôtre. C'est Luynes qui vous obtiendra le gouvernement d'une province. Mais comment a-t-il pu oser? N'y revenons pas. Si votre majesté le permet, je vais lui soumettre le discours qu'elle devrait adresser au roi. Si vous voulez. Et je demanderai à Luynes d'écrire la réponse de Louis et de la lui faire prononcer. Je voudrais la vie sauve pour Barbin. Et moi donc? Cela fera l'objet d'une clause secrète. Plairait-il à votre majesté de prêter l'oreille à mon petit projet? Monsieur mon fils est très honoré seigneur. Depuis l'heure exécrable où tomba votre père Henri le Grand, nous sommes efforcés de nous acquitter au mieux de la régence. Parfois, devant les périls qui se levaient... Devant les périls qui se levaient, suscités par ceux-là qu'une rébellion coupable poussait à envahir la couronne, il nous est advenu de commettre quelques erreurs, mais qui oserait incriminer notre bonne volonté? Il ne lui manqua rien, monsieur mon fils. Sinon de connaître la vôtre. Vous avez bien voulu nous faire savoir votre bon plaisir. Nous louons Dieu, sachant que vous vous montrerez à notre égard et bon fils et bon roi. Madame, je viens ici pour vous saluer et pour vous assurer qu'après votre départ dans votre souveraineté de Blois, j'aurai soin de vous, comme de ma mère que vous êtes. C'est ma résolution de ne plus souffrir qu'autre que moi commande en ce royaume. Adieu. Et je vous serai bon fils. Cela aurait pu se passer plus mal. On croyait voir de ces personnages automates que les mécaniciens s'amusent à construire à travers le royaume. Et les balais d'automates sont toujours bien réglés. Vous animez la reine-mère comme j'anime le roi. Il est de notre intérêt qu'ils continuent de s'entendre. À ce propos, la reine-mère souhaite l'élargissement de Madame d'Ancre. Cela ne se peut. Elle ferait remise de ses biens. Nous ne sommes pas assurés. Et puis, un évêque peut-il défendre une sorcière? Réellement, vous ne pouvez pas. Le roi n'y consentirait pas. Allons, monsieur de Luçon, nous voici d'accord. Nous voici d'accord. Tout peut aller à peu près. Je
Monsieur le maréchal, vous me permettez de vous saluer de ce nouveau titre conféré par le roi. Assurément, monsieur le connétable. Nous avons devant nous trois tâches d'importance. Faire décapiter et brûler la sorcière. Ce n'est peut-être pas utile, mais ce sera simple. Tenir la reine bien serrée dans le château de Blois. Difficile tant que Luçon... Pour l'heure, il nous est utile. La reine mère est fantasque, il est prudent. Il va pour nous complaire l'emmener jusqu'à Blois, veiller à son installation, l'apaiser. Lorsqu'elle sera bien tranquille, alors... Plairait-il à votre majesté de signer cet ordre ? Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre à tous, avons ordonné et ordonnons au sieur évêque de Luçon d'avoir à sortir du royaume et de s'installer par permission pontificale en la cité d'Avignon. Le sieur évêque partira dès réception de la présence. Vous n'aviez que trop tardé. Rarement décision fut aussi douce à notre cœur. Mon Avignon ce soir. Pas avant demain, monseigneur. Comme c'est loin. Le ciel est bien rouge. Et on est toujours assis au coucher du soleil. Comme c'est rouge. Comme c'est rouge. Pauvre Léonora. Monsieur de Lune l'a fait décapiter et jeter au feu. Non point parce qu'elle était sorcière, mais parce qu'elle était riche. Très riche. Évadé ? Ma mère évadée ? Bon travail, messieurs. Et personne ne s'est avisé qu'il fallait garder sérieusement le château de Blois. Fallait y mettre des égards. On ne peut veiller sur la reine-mère comme sur un quelconque prisonnier. Les égards n'empêchent pas la fermeté. Sa majesté a voulu recouvrer sa liberté. Et elle est moins libre que jamais. La voilà prisonnière des grands, de monsieur d'Épernon, de son fils l'archevêque Lavalette. Pour tous les turbulents du royaume, la mère du roi est un étendard. Chaque heure qui passe voit grossir la révolte. Alors ? Alors il faut frapper, vite et fort. Nous haïssons la rébellion. Et nous aimons la bataille. Mais pas contre notre mère. Que veut-elle ? Recouvrer son gouvernement de Blois et faire retour au conseil. C'est impossible. Votre avis, messieurs. Je sais quelqu'un en Avignon qui méprise la coterie des grands et pourrait en détacher la reine-mère. Non. Pourtant, monsieur de Luçon... Non. Qu'on le sache une fois pour toutes, nous n'emploierons jamais ce diable déguisé en homme de Dieu. Jamais. Non, jamais. Il est scandaleux qu'un roi, qu'un fils exerce moins d'influence sur sa mère qu'un étranger. Ne le jugez pas sur son action passée. Il a été mal employé. Sa personne nous fait horreur. Qu'importe sa personne. Je vous dis qu'elle nous déplaît. Qu'importe votre plaisir ou votre déplaisir. Père Joseph. Ce qui compte, c'est le bien public. Et Luçon seul peut éviter la guerre. Votre Majesté doit accepter ce sacrifice. Sacrifice. Alors, sachez, Père Joseph, qu'il n'y a pas de montagne que je n'escaladerai, pas de cœur, à commencer par le mien, que je ne broierai lorsqu'est en jeu le bien public. Vous êtes un peu magicien, Père Joseph. Non, je ne suis qu'un serviteur de Dieu auquel
La Providence et le roi m'accordent la faveur de connaître les secrets de la politique. Faites savoir à Luçon qu'il peut regagner la France et reprendre sa charge d'aumônier auprès de ma mère. Merci, mon bon. Monsieur le cardinal de la Valette, nous avions dit pour le meilleur et pour le pire. Et c'est le pire. Pauvre reine. Pauvre France. Merci, mon bon débordé. Défaite. Tout le monde peut se tromper. Pas vous. Vous avez méconnu le roi. J'ai respecté son principe. Vous avez fait fi de sa personne. Pouvions-nous imaginer que dans la bataille, il se montrerait un autre homme? Lorsque vous ne possédez pas d'imagination, messieurs, il ne faut pas se mêler du gouvernement des hommes. Nous n'avons pas pris l'initiative du combat. On nous accordera que nous sommes demeurés sur la défensive. Et pourquoi, je vous prie? Et pour faire retomber sur l'huile la popularité de la guerre. Et vous avez manqué votre coup parce que la guerre a été trop courte pour que ces inconvénients rejaillissent sur les favoris. Vous aurez été capable de tenir plus longtemps campagne. Nous étions insuffisamment unis. Et puis j'en conviens, ceux qui combattent une puissance légitime sont à demi défaits. Ils croient voir les bourreaux dans le temps même qu'ils affrontent leur souverain. Et cela rend la partie inégale. Vous philosophez, il faut se tirer de là, mon ami. L'huile a besoin de nous. Cette victoire n'est pas son œuvre, mais celle du roi. Il a peur de la Vieuville, qui a peur de Dagen, qui a peur de la reine. Vous dites toujours la reine pour la reine-mère. Elle est si peu mère et tellement reine. C'est avec l'huile qu'il faut trouver un accommodement. Ce ne sera pas comme au Louvre, si vous voulez vous restaurer. Il fait des miracles. Quand les évêques n'en font plus, il faut bien que les serviteurs agissent. Ne te moque pas, Débournay. Nous aurons bientôt retrouvé le chemin du Louvre. Vous allez un peu vite en besogne. Le roi vous aime. Je saurai m'en faire aimer. Et comment? En me rendant indispensable. En calmant les humeurs de la reine-mère, en évitant les querelles entre elle et le roi. Avec l'huile, je ferai toute la petite besogne. On sortira un honnête traité de paix entre la mère et le fils. Ce traité apparaît si nécessaire qu'il sera payé par deux chapeaux. Deux chapeaux? N'est-ce pas ce que portent les cardinaux? La pourpre ira bien, monsieur de la Valette. Et à moi-même. Elle renforcera votre autorité ecclésiastique et m'assurera plus de prestige dans les camps. C'est à ne pas se croire éveillé. Vous êtes rebelle, rossé, misérable. Et vous vous voyez au fait des honneurs. Je vous reprochais de manquer d'imagination tout à l'heure. Et vous-même, mon ami, vous en manquez? Tout de même. Ce n'est pas pour l'honneur que nous allons monter notre affaire. C'est pour servir enfin à la place marquée par la Providence. Je n'entends plus rien. Vous m'entendez parfaitement. Ce qui compte, c'est l'huile. Vous l'avez dit. Ce qui compte, c'est de se le concilier avant de l'abattre. De l'abattre? Enfin, de le mettre hors du jeu. L'ambition le dévore, il rêve d'une grande victoire. Nous allons lui suggérer une bonne guerre. Contre qui? Contre les protestants. Noble entreprise. Sûrement, mais très prématurée. L'huile n'en a ni la capacité ni les moyens. Mettons-le dans la bataille et il s'y perdra. Vous en voulez tant à lui? Je ne veux que la place qu'il occupe. Roland! Voilà.
carré. Tant pis, c'est moi qui verrai le flacon. On a bien de la fainéantise. Hé, monseigneur, on le craint depuis l'altesse du siège, on est si fatigué. Eh bien, tu en auras pour ta fatigue. Monsieur de Luynes était votre maître. Mais le convoyer avec égard afin qu'il soit enterré dans son quai. Il avait cessé de plaire au roi. Il n'était pas de taille à dominer les réformés. Échoué devant Montauban. Quelle misère. Si au moins il était tombé au rempart, mais mourir sottement de la fièvre pourpre. Triste pavane pour un connétable. Mon fils, comme il vous a plu de rendre à votre mère sa place au conseil, celle-ci croit vous bien servir en vous pressant d'obtenir de sa sainteté Grégoire XV pour mon aumônier et conseiller la dignité cardinalice. Votre mère. Mon aumônier et conseiller, à votre place j'éviterai conseiller. Pourquoi? Parce que votre majesté, elle, n'a à recevoir de conseil de personne. Ce n'est point le cas de mon fils. Il est triste de songer qu'il ne veut aux affaires que des gens sans qualité. Allons, patience, mon évêque, patience. Le roi me déteste. Vitry lui-même, qui n'est que la voix du monarque, m'a outragé. Quelle importance. Il est une phrase du pater que je prononce toujours difficilement. Je la devine, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je ne pardonnerai pas à Luynes de m'avoir trompé dans l'affaire du chapeau. Il l'a fait donner à monsieur de la Valette et c'était justice. Mais pas à moi et ce fut scandaleux. À quoi donc a servi la paix d'Angers? Le trépas de monsieur de Luynes, la semi-disgrâce de Dagen. Si sa majesté s'en remet pour gouverner à la Vieuville. Qui ne vous craint pas, car un évêque sait peu de choses. Ça siège en bout de table au conseil, mais il n'en va pas de même pour un cardinal. Alors je vous prie de me laisser terminer cette lettre. Je pense que cette formule recevra votre entière satisfaction, si ce n'est votre totale approbation. Vous attacherez à cette promotion le plus grand prix. Elle constitue en effet une réparation à l'égard d'un prélat à qui nous devons le retour à la parfaite harmonie dans nos relations. Je pense que tourner de la sorte, il comprendra que s'il te refuse le chapeau, je pourrais lui remonter une belle intrigue. Dans le goût de Florence, mon futur cardinal. Votre majesté ne sera donc jamais ça. Alors, crois-tu donc auprès de toi? On n'a jamais envie d'être sage. Ouvrez, par grâce. C'est d'importance. Et on vient, on vient. Il me faut voir monsieur Plusson tout de suite. Et jamais à la rigueur. Il vous casserait son bâton sur le dos si je manquais ma visite. Cet honneur nocturne. Eh bien. Votre éminence est cardinal. Vous avez dit? Votre éminence est cardinal. N'est-ce pas là quelque faux bruit? Cardinal! Cardinal! Nous voici, cardinal. Drôle, tu es laquais d'un cardinal. Si on t'avait prédit cela un jour. C'est signé. Signé. Contre-signé, proclamé. Le roi le sait déjà, c'est pourquoi j'ai couru jusqu'à votre éminence. Vraiment? Le roi a même ajouté, il ne pourra plus s'accommoder de son siège, Poitevin.
Monsieur de Luçon reprend donc son nom de Richelieu. Cardinal de Richelieu. Mon Dieu, ma mère! Le cheval a gagné! Le cheval a gagné! Le cheval a gagné! Il ira vêtu de pourpre par les monts et par les plaines. Il galopera partout où sonnent les trompettes. Partout où l'appelleront les combats. Il traversera les châteaux et les palais, sans cavalier, portant sa propre gloire. Le cheval rouge! Je prierai Dieu, monsieur le maréchal, pour que la Providence continue de combler le porteur d'une telle nouvelle. Veuillez me jurer, il y va de votre tête, que vous ne révélerez point la chaleur, peut-être un rien surprenante, qui m'a saisi au moment de mon élévation. Je le jure à votre éminence, et me recommande à sa mansuétude. C'est bien. Allez, monsieur. Et ne vous inquiétez plus de notre divergence, aujourd'hui oubliée. En somme, monsieur de la Vieuville, nous n'avons les moyens de rien. Il faut reconnaître que la situation demeure déplorable. Pourtant, votre majesté est témoin de tous nos efforts. Bien. Messieurs, la séance est levée. Monsieur de la Vieuville, qu'il ne serait pas de votre intérêt de faire accéder vous-même, monsieur le cardinal de Richelieu, aux affaires? Mais madame, votre majesté sait bien que j'ai proposé à son éminence la direction d'un conseil des dépêches chargé des affaires étrangères. Comment ça, d'un conseil des dépêches? Il a refusé. Il a bien fait. La place de cet homme de génie est ici, monsieur. Il mérite de siéger au conseil d'en haut. Je vous ordonne de le demander au roi, en mon nom et au vôtre. Madame, vous voulez une chose qui causera infailliblement ma ruine. Et je ne sais si votre majesté ne se repentira point un jour d'avoir tant avancé cet homme. Elle ne le connaît pas bien encore. Je vous en prie, pas si fort. Chacun connaît le rire de votre majesté. On s'amuse fort au Pont-Neuf, c'est trop plaisant. Oh, j'aurais jamais osé imaginer qu'à la parade, on peut y traîner aussi bas un ministre de mon fils, la Vieuville, qui s'est fait traiter comme un putassier. Remarquez, un putassier qu'il est. Oh, ça m'a coûté cher de payer tout ce que Paris comporte comme faiseur de chansons. Mais j'en ai pour mon argent. Tête sans cervelle, Anne Bappé, Judas de cabaret. Et puis peut-être ce que je trouve le plus bel argument, il rend son maître totalement ridicule. L'heure de la dernière chasse est venue. Le cardinal de la Valette et le bon père Joseph et la cour et la ville, chacun chante la romance de celui qui doit partir et de celui qui doit venir. J'ai investi le roi de toutes parts. Mais pourtant, il a fait quérir le vieux Sully. Mais je lui ai représenté que c'était un pas en arrière, qu'il n'était plus de force. D'ailleurs, il m'avait pas trop desservi auprès du roi Henri. Vraiment, depuis le feu roi, que dis-je, depuis Henri III, je t'avais pas vu si bon dico. Sa majesté l'a superbement servi. Quelle élégance et quel courage. Le bonsoir, messieurs. Mais, sire, votre souper. Le bonsoir. Quelle époque. Non. Nous saurons nous y résoudre après tout ce qu'il a fait contre nous. Monsieur de Sully, lui, rendrait confiance à nos sujets. Pas pour longtemps, c'est vrai. Il ne parle plus que de labourage et de pastourage. Richelieu. Chacun réclame du nouveau, mais qu'a-t-il de nouveau, lui? Sully était ministre, voici 8 ans. Mon père savait distinguer les bons serviteurs. Tout en Richelieu nous révolte. Son excessive souplesse, comme son impudique arrogance. Assurément, il est habile. Savant. Mais ce grand prélat est un mauvais prêtre. Pourquoi nous enfermer dans un dilemme? On peut gouverner seul.
Allons-nous. À la fois contre notre mère, les grands, les réformés. Oh, Dieu soit loué, quelle heureuse surprise. Une femme doit partager les soucis de son mari. Vous en éprouveriez moins si vous étiez plus souvent près de moi. Une question nous obsède et nous aimerions... Vous aimeriez? Moi, j'aimerais que nous nous aimions. Écoutez-moi. Et que la question soit remise à demain. Il y a des questions qu'on ne saurait remettre. Nous avons reçu le sacrement des rois, mais il n'est point d'épaule humaine assez robuste pour supporter un tel fardeau. Laissez les choses en état. Le royaume est malade, et Dieu ne nous pardonnerait pas de nous dérober. Monsieur de la Vieuville nous a quittés, messieurs. Je demande à monsieur le cardinal de mettre ordre à nos affaires. Bien des erreurs ont été commises depuis monsieur de Luynes et par ceux qui l'ont voulu continuer. L'État abaissé, les gens de la prétendue religion réformée en révolte, les deniers du royaume mal acquis et mal dépensés, les frontières mal défendues, les alliances incertaines. Sire, il vous faut gouverner de telle sorte que tout le monde reconnaisse que votre majesté pense elle-même à ses affaires. Assurément, et désormais, je verrai avec plaisir mes affaires, puisqu'elles seront conduites avec ordre. La règle sera telle aujourd'hui qu'on connaîtra justement le bon ordre et les avantages qui en résultent. C'est bien. Alors, au travail, monsieur le cardinal. Quand il plaira à votre majesté. Mais pas sans lui avoir dit que ce jour sera pour moi d'éternelle mémoire.